Shalom bien-aimés, nous sommes rassemblés dans la sainte présence, dans la divine présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que l'Éternel se souvienne de toi en ce matin. Lui qui voit les efforts que tu fais, de te lever tôt le matin pour simplement entrer dans sa sainte présence. Alors que l'évangile d'aujourd'hui nous dit, Jésus dit, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En parcourant l'évangile, nous pouvons voir comment les gens du village de Jésus-Christ lui-même l'ont traité. Nous appelons l'Esprit du Dieu vivant, lui qui nous aide à prier, lui qui nous aide à élever nos prières et nos supplications vers le Dieu de gloire. Au travers de ce cantique, je t'invite simplement à ouvrir ton cœur à Dieu, à ouvrir ton cœur à l'Esprit de Jésus lui-même, afin qu'il puisse venir et prendre place. Un vent nouveau souffle, une ère nouvelle commence, un feu nouveau descend, voici le temps de Dieu. Un vent nouveau souffle, une ère nouvelle commence, un feu nouveau descend, voici le temps de Dieu. Saint-Esprit sauve, souffle dans nos vies, toi le paraclet, descends et remplis-nous. Saint-Esprit souffle dans nos vies, toi le paraclet, descends et remplis-nous. Saint-Esprit souffle, Saint-Esprit souffle dans nos vies, toi le paraclet. T'inviter à bénir l'Esprit de Dieu vivant ce matin, lui qui habite en nos cœurs, lui qui fait des merveilles dans notre vie, lui qui nous aide à accomplir le pourquoi Jésus nous a envoyés. Esprit de Dieu vivant, nous t'honorons, nous t'adorons, nous te célébrons ce matin. Reçois le cri de nos cœurs. Reçois notre action de grâce. Seigneur, si nous sommes là, si nous sommes debout, c'est grâce à toi. Merci d'avoir renouvelé le souffle de vie en nous. Merci pour ta présence glorieuse dans notre vie, dans la vie de nos familles. Seigneur, merci pour ce cœur qui te dit merci à cet instant. Merci pour ce cœur qui s'offre davantage à toi en ce matin. Merci pour cette personne qui est en train de bénir, de te bénir, de bénir les membres de sa famille, de bénir son travail, de bénir tout ce qu'il entreprend, de bénir ses projets. Parce que l'action de grâce appelle la grâce. C'est pourquoi nous voulons encore te chanter, Esprit de Dieu vivant. Parce que toi seul mérite adoration, louange, parce que tu es Dieu. Saint-Esprit sauve, souffle dans nos vies, toi le paraclet, descends et remplis-nous en ce matin, s'il te plaît. Saint-Esprit sauve, souffle dans nos vies,
baraklé, descend et remplis-nous. Oui, bien-aimé, je t'invite simplement à accueillir l'Esprit de Dieu dans ta vie. Parle-lui davantage, parle-lui, ouvre-lui ton cœur. Tu peux mieux faire. Élève des cantiques d'action de grâce à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit de Dieu, il n'est pas loin. Il habite en nos cœurs, il habite en nous. Il a décidé de prendre place en nous, de siéger sur le trône de gloire de nos vies, de nos cœurs. Il habite au-dedans de nous. Nous n'avons pas besoin de crier, de soupirer comme... On a besoin de soupirer auprès de lui, certes, mais l'Esprit de Dieu est en nous, donc on n'a pas besoin de le chercher ailleurs. Laisse-le simplement prendre la place du roi. Et toi, jeune, je t'appelle simplement, je t'invite simplement à te lever davantage, à continuer de persévérer dans ta vie de prière, dans ta relation avec Dieu, parce que lui seul nous suffit. Lui seul mérite qu'on laisse tout, qu'on dépose tout et de marcher à sa suite. Et comme le couplet le dit, un vent nouveau souffle, une ère nouvelle commence, un feu nouveau descend. Voici le temps de Dieu. Alors je t'invite simplement à te lever, à déclarer ces cantiques, à proclamer, à déclarer, à prophétiser sur ta vie. Parce que voici cette nouvelle génération, une génération de feu, une génération qui osera proclamer le nom de Jésus avec toute certitude, en toute confiance. Alléluia. Un vent nouveau souffle, une ère nouvelle commence. Un feu nouveau descend, voici le temps de Dieu. Déclare-le encore. Un vent nouveau souffle, une ère nouvelle commence. Un feu nouveau descend, voici le temps de Dieu. Saint-Esprit souffle dans nos vies. Toi le paraclet, descends et remplis-nous. Saint-Esprit souffle dans ma famille. Toi le paraclet. Continuer à adorer, à crier, à soupirer, à parler avec Dieu. Et laisse-moi te dire que ce que tu fais pour le Seigneur n'est pas plus important que ta relation avec le Seigneur. Alors laisse-toi connaître par Jésus et fais-toi connaître par Jésus. Gère ta relation intime avec le Seigneur. Et que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde consolation, force et tout ce dont tu as besoin en ce jour. Et que le Père, notre Seigneur, notre Papa, notre ami, celui qui fait battre nos cœurs, celui-là même qui est assis sur son trône élevé, qu'il étende sa main et nous bénisse. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.